Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jazz lance un message et demande à toutes les personnes qui étaient au resto hier soir à Cannes et qui ont pris la fuite sous la panique à cause de la fausse rumeur de retourner au restaurant pour payer leur addition. Je vous laisse avec sa story. Salut les amis, donc ce message s'adresse à toutes les personnes venant du sud, surtout de Cannes. Voilà, j'ai demandé à droite à gauche, j'ai regardé les communiqués du maire, etc. Visiblement, c'est une rumeur. Bon, moi, j'appellerais pas ça une rumeur. J'appellerais ça quelqu'un qui a cru quelque chose et au final, ça a pris une ampleur de ouf. Parce qu'une rumeur, bon, c'est quelque chose qu'on invente exprès. Là, c'est pour le coup, c'est quelqu'un qui a paranoïé et ça a déclenché une émeute. Chose que moi, il m'arrive des fois de paranoïer aussi comme ça. En tout cas, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de fusillade à Cannes. Moi-même, j'ai des amis très bêtes qui m'envoyaient des messages comme ça en pleine nuit, au lieu de regarder sur Google si c'est vrai ou pas. Donc, je me suis levée ce matin en panique de ouf. Et pour finir, bon, il y a eu vraiment un restaurant ravagé, massacré. Beaucoup de restaurants où les gens sont partis sans payer, parce que forcément, sous la panique, tout le monde court, hein, moi la première. Je passe ce message parce que pour moi, il me semble important. Au final, il y a des restaurants qui se sont retrouvés, surtout un qui s'est retrouvé à l'envers. Genre, ils ont tout pété dans le restaurant. Beaucoup de restaurants qui se sont retrouvés avec tous les clients qui sont partis sans payer. Du coup, c'est vrai que sur le coup, c'est absolument normal. Je pense que tous les patrons auraient fait comme vous. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si vous auriez la gentillesse tous de retourner payer vos additions de hier. Parce que du coup, au-delà d'avoir subi une très très grosse peur, ces patrons-là, ces serveurs-là, ils ont perdu une grosse soirée de travail en fait. Ils ont perdu énormément d'argent. Donc, et puis plus tous les dégâts qu'il y a. Donc ça fait vraiment de la peine pour ces restaurants-là, parce qu'ils ont, ils méritent pas ça. Surtout comme je vous dis, un en particulier. Je connais pas le nom du restaurant, mais je vais le demander. En tout cas, voilà, si vous pouviez retourner au restaurant d'hier. Payer votre addition, ça les aidera. Ça les aidera au moins à sortir la tête de l'eau. Voilà les amis, merci pour votre honnêteté, pour toute l'honnêteté que les personnes qui étaient là hier présentes sur les lieux auront aujourd'hui envers ce restaurant. Et puis je vous fais plein de gros bisous.